Salut Hotbug. Bon, et ben c'est parti pour la partie, la première partie, la partie mots des cubes. Aujourd'hui, on va bosser sur les portes. Si le serveur le vaut bien. Ouais, donc on va bosser sur les portes du SAS. Et leur ouverture automatique, bien entendu. Donc on va faire ça avec Creat, on va se faire des portes avec Creat. Alors j'ai regardé un petit peu vite fait des tutos. Salut petit Luc. Le problème avec les rails, c'est le fait qu'en fait ils tiennent un bloc en... Les portes vont pas aller jusqu'en bas. Salut Croency. Elles ne vont pas aller jusqu'en bas, ça m'embête, mais bon. Hop. Oula. M'a l'air dangereux ce coin-là. Bien bonjour. Y'a que ces bestioles-là, y'en a pas d'autres. Ouh, y'a un pénible. Heureusement, j'ai une super épée. Vache les lags. Mais meurs infâme. Ouais, mais les rails qui descendent, je pense que ça va casser le... Vache les lags. Je morfle. Hein. Les rails, ça va casser le fait de descendre les rails, ça va casser le circuit. Bon, j'ai récupéré du fil. Ouais, deux fils. Oh, cool. Donc, il faut pas y toucher aux rails, je pense. Sinon, oui, on pourrait descendre les rails sur du... Alors, en plus, ça fait du 3 de large. Non, ça fait 5. Ça... 3 de large plus 1. Donc on va se faire un système rotatif ici. Rotatif ici. Et je pense que ça ira jusqu'en bas ici. Et là, bah, ça sera légèrement plus haut. On va faire un truc dans ce style là. Je me suis déjà fait du... Ah oui, il y a déjà plus de monde là. Et où ils sont? Donc il va falloir que j'aille chercher des trucs. Il va falloir que j'aille chercher des trucs créatins à la base. Alors soit on attend le chouchou, soit on y va tout de suite. Est-ce qu'on en profite? Ah ouais, alors je vais péter tout ça, j'ai pas de toucher de soie. Ça c'était pas hyper futé. Hein. Bah tant pis. Hein. On récupère des petits cristaux. On peut reconstituer des trucs, mais on a de la perte. Hein. Ah bah voilà le chouchou. Ah non, il y avait peut-être que 6 de poser. Alors, il m'en faudrait pas mal. Ah bah j'en avais là du... Du fil. On va déjà se faire un stack. Parce que donc ici je voulais mettre... Ouh, c'est pas très noir. Mais bon, je trouve que ça fait déjà mieux que les blanches.
Donc après ça sera ici là. Etc, etc, etc. Ok. Alors, ben on va ranger ça. Ouais. On va attendre qu'il arrive là. Il faudra aussi qu'on design notre locomotive et les trains. Hein. Express qui est toujours là. Bon, tant qu'il a pas dégagé là-bas la gare. Voilà, c'est bon. Hop. Oh les lags. Cling. Hop. Cote. Bon allez, c'est pas tout ça. Bonjour Oya, bonjour Philbur. Ouais, bah notre système il est bien au point, ouais. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Il va me falloir un peu de fer quand même, peut-être, probablement. Mais au niveau créate, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Un observateur de train. Ah. Voilà. Donc il faut qu'on se fasse des observateurs. Là actuellement aujourd'hui on va faire une porte. Salut Losk. On peut faire des vraies baies vitrées. Tu n'es pas obligé d'avoir des carreaux. Ouais mais comme c'est pas droit. Comme c'est pas droit, je préfère faire des blocs. Salut Alvin. Bon. J'ai pas vu la fin là. Les observateurs peuvent être filtrés pour s'activer seulement pour de la cargaison correspondante. Oh là 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 là. Ça c'est fort. Alors, il nous faut ça. On veut ça. Observateur. On va faire un petit cul. C'est une plaque de pression plus un revêtement en laiton. Revêtement de train. Donc ça c'est vraiment pas compliqué.
Il suffit de réussir à se faire une plaque de pression. Ah ouais, ça se fait qu'avec avec du ch'tolo. On peut peut-être avec ça. Ah, et avec un observateur, ça marche peut-être alors. Je dois en avoir des observateurs. Les temps de réponse sont pas bons du tout, du tout. Aïe, 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 aïe. Ouais, deux observateurs de train. Bon. Je vais peut-être m'en garder de ça. Ah, bah j'en ai. Bon, bah je recomplète le truc. Pour l'instant, il nous faut deux observateurs de train. Alors, pour la porte proprement dite. Merci, Sunday, pour les 5 bits. Merci à toi. Gros bisous. Tchouf. Alors. Pour les portes, il faut des bazars qui tournent. Kmakachapel. Kmakachapel, ces trucs-là. En anglais, j'ai pris des notes vite fait. C'est un mechanical bearing. Mechanical. 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 Ça, c'est un piston. Chariot de portique. C'est pas ça. Windmill bearing, mechanical bearing, un roulement mécanique. Oh bah c'est pas bien compliqué à faire. Allez, petit cul. Il nous faut une dalle, un revêtement d'andésite, un axe. Il nous en faut deux. Donc il me faut deux axes, il me faut deux revêtements d'andésite. Pop pop. Deux axes. Poc poc. Deux dalles. Poc poc. Ok, on a ça. Est-ce qu'après je peux maintenant bloquer? Dans le temps, il fallait forcément un châssis linéaire. Châssis linéaire ou châssis radial. Est-ce qu'on a toujours besoin de ces bazars-là? Ouais, c'est toujours. On est toujours obligé. Ouais, donc il nous faut des châssis radio. Il nous faut des châssis radio, châssis linéaire. Ah non, c'est pas linéaire, c'est radial. Radial, radial. Petit cul. Alors ça marche par 3, il va m'en falloir au moins une petite dizaine. Parce que j'ai 5 de hauteur, je crois, de chaque côté. Bon, après, c'est du bois écorché. Non, ou du bois normal. Ah, le bois de pin marche. Et il faut de la... Il faut de la truc comme ça. Ça, c'est cool que le bois de pin marche. Parce que j'en ai plein de bois de pin. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et hop. Bon, il m'en faut plein de châssis radial. Ça, je vais prendre de l'acier. Je vais aller chercher de l'acier. Salut Ranat en plan. Bon lurk. Hop. Je récupère un petit peu d'acier. Bon, ça va, il y en a. Ça produit. Qu'est-ce qui est en train de fonctionner ici? Oui, il a bien mis un. Ah oui, comme elle est châssis radial. Ouais, faut bien un châssis radial sur une... Ah oui, il y a un châssis linéaire, et en dessous, il doit y avoir un truc qui tourne. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Oh, il fait nuit. On va dormir. Alors, ensuite... Bah, il nous faut des blocs pour la porte. On va peut-être s'en prendre un peu plus d'acier pour faire des verres, les jolis verres.
savez quoi? Je ramènerai ce que j'ai en trop, mais je vais prendre un... Je vais prendre un bloc. Hop. Un stack de blocs. Je vais prendre un stack de blocs. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Alors là, il me faut... un machin séquencé. Comment ça s'appelle ce truc? Décaleur de rotation séquencée. Alors ça doit être chaud ça. Petit cul. Salut J1. On va glander des portes aujourd'hui. Salut Wiking. Pourquoi j'ai pas entendu l'alarme? 42 mois. Oh, joli chiffre. Merci J1. J'ai l'impression que j'ai des petits problèmes de lag, mais pas que sur le jeu, hein. Parce que là, j'ai pas entendu le ding-ding. Comment se fait-il que j'ai pas entendu le ding-ding? Pourtant, ça s'est mis à jour. Oh. Après, c'est peut-être mes oreilles, hein. C'est peut-être mes oreilles. Un gros bisou à toi, J1. Niveau 2 en plus, deux gros bisous. Et puis merci pour le soutien. De longue date. De longue date. Bon, non, c'est pas si compliqué que ça, mais il nous en faut deux. Comme papa. DRS. D. Non, c'est pas CRS, hein. C'est pas un C. C'est pas un sécaleur. C'est pas un sécateur de rotation séquencée, hein. C'est un décaleur de rotation séquencée. Il m'en faut deux. Regardez, on va bien regarder le Z. Voilà. Les décaleurs de rotation séquencée transmettent la rotation suivant une liste paramétrée d'instruction. Eh ben, il faut ça pour pouvoir dire on ouvre la porte, on referme la porte, on ouvre la porte, on... Hop. DRS en F1, c'est pas ça? Ouais, mais la F1... Voilà, c'est pour faire ça. Voilà, vous avez la, vous avez le truc, c'est pour faire ça. Donc, il va me falloir deux tubes. Attends. Deux tubes électroniques, deux montres. Ah ouais, mais non, c'est pas possible ça. Vous avez vu ce que ça bouffe comme or? Ah non, ça va pas être possible. Ah! Je vais taper dans l'or, hein. Hop. Il faut de la redstone. Hop, deux montres. Il faut du quartz. Deux quartz. Hop. Il faut le papier de verre. Non, pas là. J'aime ce côté moniteur de ski dans ton explication. C'est gentil ou... Il faut que je le prenne comment? Ah, il y avait des châssis radiales là. Ah bah je les prends. Châssis linéaire, j'en ai pas besoin. Ah oui, mais attends, après il faut une source d'énergie pour ce truc là. Vas-tu enlever ton sapin avant Pâques? Je me suis dit que j'allais le garder toute l'année. T'imagines en juillet, le gars. Il... C'est pour le gars qui va se pointer en juillet en disant: mais pourquoi t'as un sapin de Noël?
Parce que dans l'hémisphère sud, en juillet, c'est l'hiver, c'est Noël. Eh ben non, en fait, c'est pas Noël, mais bon, c'est pas grave. Où qu'on en est? Ah voilà, vous m'avez complètement chamboulé toute la tête. Il y a des caleurs de rotation séquencée. Mardi, il va y en avoir de la caleur. Sachant que caleur en Picard, c'est chaleur. Avec les chaudières à vapeur pour l'énergie, bah faudrait ça en fait. Hein. Pour l'énergie, ça serait pas mal une petite chaudière. Ça serait repeu et en même temps, ça chaufferait la serre. Ce serait le système qui chaufferait la serre. Mais ça veut dire qu'il faut que j'emmène du matos là-bas. Et rien que d'y penser, je suis fatigué. Rien que d'y penser, je suis fatigué. Surtout que là je suis. Y a même pas de papier de verre. Personne vend du looting 4. Non. Désolé. C'est quoi looting 4? Non, de toute façon, j'ai aucun. Non, je dis pas ça pour me moquer du gars. Hein. J'ai aucun enchantement. Hein. Mais looting, c'est quoi? Cette truc a toujours joué en anglais là aussi. Attends, qu'est-ce que je suis venu faire là? Ah, il me faut du sable. Et du sable, je sais qu'il y en a. Vous avez vu les temps de latence quand on ouvre un. Il faut du papier. En fait, j'ai vu la rediff et donc j'ai vu que tu avais mis des rails sur du sable. Oui, mais c'est le permafrost, tout ça, plop. Je l'ai expliqué 50 000 fois pour dire que on était complètement RP. Et non pas que le RP, on sent tamponner le coquillard. On est complètement RP, c'est du permafrost, le sable est gelé, il est dur comme du béton. Il est plus dur que du béton. Il est plus dur que du béton. Alors, on nous dit que looting, c'est butin. Ouais, ben j'en ai pas. Ah, il faut du papier. Alors, du papier, on peut en faire grâce à ça, je crois. Faut juste pas être pressé. Voilà, hop. Ah, j'aurais dû prendre deux sables. C'est pas ça. Ah, si, il suffit. Faut juste être patient. Faut juste être patient. C'est ça, mais il faut être patient. Alors, feu. De toute façon, vous savez qu'on est toujours champion du monde de mauvaise foi. Hein. Alors, pourquoi j'en ai deux dans les pattes? Ah non, attends. Je veux récupérer feu. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça y est. Oh vache, tout est hyper long. Tout est hyper long. Tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas joué avec le sifflet. Ouais, c'est le serveur. C'est à cause du serveur si j'avance pas, G1. Hein. Parce que moi, je suis à fond. Là, je suis à fond. Là. Je suis hyper à fond. Regarde, j'ai des. Hey. J'ai déjà récupéré deux observateurs de train, deux roulements mécaniques, six châssis radial, et j'ai de quoi en faire d'autres. Là, nous sommes en train de se faire un décaleur. Un décaleur. Aïe. Ah, il faut aussi quatre petits trous. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits trous ici? Des petits trous, toujours des petits trous. Et je récupère les axes au passage. Ouh, je vois qu'il y en a là. Je ramènerai ce que je consomme pas. Hein. Comment on fait des petits trous déjà? Ah, faut du. Ouais, ça marche pas avec ça. Il faut du sapin. Il va falloir planter du sapin, les gars. Hein. Attends. Boué. Je voudrais bien. Mais je peux point. Hop. Il en faut combien? 4. 1, 2, 3, 3, var. Bloc. Alors. Je décale de rotation. Plaque. Ah. Il nous manque deux revêtements en laiton. Enfin, non.
des revêtements en laiton. Bon, il nous faut du laiton. La go de laiton, pop pop. Il nous faut ça. Il est où le laiton? Si les laitons, il est pas lituanien. C'est une blague des pays de la Baltique. C'est une blague des pays de la Baltique. Alors normalement je dois pouvoir faire mon décaleur là. Ah voilà, deux décaleurs. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il va falloir des boîtes à engrenage. Allez, belle balcante. Boîte à roue dentée. Il n'y a pas grand chose en roue dentée. Hein. Je pense qu'il va m'en falloir plus que ça. Mais on les fera sur place. Hein. On a tout ce qu'il faut pour les faire. On a tout ce qu'il faut pour les faire. Par contre. Oh là, déjà la nuit. On va se faire une chaudière alors. Z a l'air en forme. C'est... Ouais, puis Sean il a trouvé une appli, il met une tête de vieux. Parce qu'un mouton, un mouton qui stream, c'est juste pas possible quoi. Ça rentre pas dans les cases Twitch de. Une fille à moitié nue, ça passe. Un mouton, non, c'est interdit. Oui. On va se faire un truc comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut 4 réservoirs à fluide. Une pompe. Des tuyaux. Un générateur. Ça va pas être facile quand même. Hein. Ça va pas être facile. Hein. C'est toi qui as dit tête de vieux. Bah ma tête elle va faire le tour d'internet. Pop pop pop. Alors attends, on va faire du... On va stocker les trucs dont on a besoin pour la porte. Ici, ici, voilà, c'est mieux. Donc il va nous falloir... une pompe. Ah, engin à vapeur, il en reste un. Bon, ben je le prends. On a l'engin à vapeur. Donc il faut 4 réservoirs. 4 réservoirs de fluide. Donc c'est 4 tonneaux. Et donc 8 plaques de cuivre. Plaque de cuivre, chez tonneau. On va les faire, on va faire avec ça. On va faire un tonneau là. Hop. Hop, j'ai mes 4 plaques de cuivre. Il faut une pompe. Comme les Shadow disaient. Alors il faut une petite roue dentée. Plaque. 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 Ah, il y a un sens. Hop. Il faudra d'autres roues. Il faudra d'autres pipes. Donc faudra cuivre et plaque de cuivre. Cuivre et lingot de cuivre. Oh vache. Avec 6 ça devrait aller. De toute façon on va aller ranger le bol là. Ça j'en ai plus besoin. Donc j'ai le...
Récapitulons. J'ai les tuyaux, j'ai le réservoir, j'ai la pompe, j'ai l'engin à vapeur, j'ai quoi de faire la flotte. Donc on a de quoi installer notre locomotive à vapeur. Je pense que j'ai de quoi faire les... Non mais avec les lags serveurs, ne fonctionnera jamais ta porte. T'inquiète pas, va. Normalement, j'ai tout. La glu? Il faut de la glu. La glu, je l'ai avec moi. Ouais, je l'ai là. La colle extra forte. Bon, et ben on y va. S'il manque un truc, on reviendra. On reprend le chouchou. Est-ce qu'il est là? Où qu'il est, ma chouchou? Ah bah, le black qui arrive. Ah bah non, c'est pas celui-là. Il faut pas un saut de lave? Pourquoi faire? Je voudrais pas te décourager, tu sais, mais c'est mon côté obscur. Ouais, je sais, Jiren. Oula. Ah ouais, mais comment je fais, moi, pour aller prendre mon chouchou? Hop. Elle est pas terrible, cette gare, hein. Bonjour, Spiricou. Ah ouais, là, tu peux pas passer, Bob. Hein? Tu fais moins ton malin, là, hein? Tu peux pas passer? Oh, c'est ça qu'on devrait faire. Vous avez la ref? Je crois que c'était ça la musique. Puis après ça continuait, c'était tout le temps comme ça. Il y avait un petit jeu, c'était un rébus. Et à la fin, il y avait la solution du rébus. C'était dans le temps où il y avait de la bonne télé. Finalement, il n'y a pas besoin de déco, hein, ça marche sans. Hein. T'as vu ma bif, J1? Elle est belle, hein? Eh, ça, c'est de la bif. Bon. Alors, c'est pas tout ça. Donc, premier truc, je pense qu'on va installer la chaudière. Donc, la chaudière, il faut l'installer... à l'intérieur de du dôme. Donc je pense qu'on va l'installer Eh ben ça serait pas mal de l'installer là. Et puis comme on va mettre notre mécanisme là, ça serait pas mal d'avoir la sortie du truc qui soit là. C'est-à-dire ici. Moi je trouve. Donc oula. Ah oh, bah qui c'est qui est en train de perdre toutes ses affaires là? Après il dit oh ce que j'ai mis mes échafaudages. Bah t'as tout mis par terre mon gaillard. T'as prêt. Bon où qu'on en était hop. De la co bleue. On va faire un joli petit truc RP là pour baser notre attends parce qu'après il faut creuser le truc pour avoir le ouais on verra.
On va la faire par ici de toute façon, hein. Est-ce que j'ai une pelle sur moi? Oui, et elle va bientôt péter, la pelle. Ah ouais, parce qu'après j'ai une pelle en fer. Ah oui, bon, ma pelle en acier, faut que je me la garde. Ça ne fonctionnera jamais. Il faut que je colle. Alors il y avait deux décalages, je crois. Hein. Ah. Pourquoi le crépite pas là? J'aime pas ça. Je me demande si c'est pas 3. Il y a genre l'engin à vapeur et le truc. On va déplacer tout de suite de 2. Donc en dessous, on va mettre du feu. Parce qu'il faut le chauffer le truc. T'es drôlement en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive donc? Alors attends, faut que je mange. Oula. Faut que je dorme. Vous ne pouvez dormir que la nuit. Il fait nuit là. Oh. Vous ne pouvez dormir que la nuit. Oh, il fait nuit là. Ah, voilà. Suffit de lui dire 2 fois, 3 fois. C'est comme qui vous savez. Tu dis 3 fois son nom, il se pointe. Hein. Ça marche pour plusieurs d'ailleurs. Ah oui, il me faut des... Attends. Il me faut des feux de... Il faut des feux de forêt là. Il me faut des feux de camp. Hop. Pourquoi j'en ai qu'un? Ah, parce que j'ai pas assez de bois. Foutre Dieu. Hop. Il m'en faut encore d'autres. Tac, tac. Il m'en faut encore un. Pop. Fredo. Il est là, Fredo. Ça marche pas. Non, pas lui, pas lui. Arrête tes bêtises tout de suite, J1, ou je vais être obligé de te Théo. Voilà. Faudra mettre une cheminée au-dessus, du coup, pour que ça fasse réaliste. Ah, il faut y mettre de l'eau. Alors, pour y mettre de l'eau, bah justement, il va nous falloir. Il va falloir y mettre une pompe. Pop. Attends, comme ça va tourner comme ça, plop, 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 on va pouvoir l'engager, l'engager ici avec des petites routes, avec des petites trous, des petits trous. Donc ici, on prend notre tuyau, on fait pouf, pouf, et ici, on met de la flotte. Ah. Attends, j'ai une pelle, ça va aller plus vite avec la pelle. Ah, ouais. Sauf que c'est pas ça qu'on voulait faire. C'était ça. Et ouais, il faut avoir une source d'eau infinie. Sinon, ça marche pas. On va bétonner toute la zone de la chaudière. Hein. Salut, Christo. Bon. Ah. Attends, c'est pas là. On me dit dans l'oreille que c'est pas là. Ça a été fait de traviole.
Ah ben bravo, voilà. Et voilà pourquoi la France, voilà pourquoi la France décline, parce qu'il n'y a plus aucun bon, ingénieur partout. C'est la décadence. C'est la décadence décadente. Hop. Oh, attends, des boules de neige. C'est rigolo ça. On peut jouer. Alors, Split. Bonjour Eden, merci pour le suivi. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Amoureux des chouchous. Bonjour. Elle est loin la flotte, non? Ah, je crois. On me dit dans l'oreillette que on a eu de la chance. Ça aurait pu beaucoup plus mal se finir. Beaucoup plus mal. Hein? Pourquoi il y a du grès là? Qu'est-ce que c'est que ce biome pourri là? Ah, je suis de l'autre côté. Ok. Oh, ok, ok, d'accord. Ok. Hop, hop, hop. Bonjour le chouchou. Alors, on peut pas tout le temps avoir de la malchance. On peut tomber une fois. Allez, je récupère mon seau. Hop, hop, voilà. Donc maintenant, on est prêt. Il faut mettre de l'eau dedans. Est-ce que j'ai ma manivelle? Il me faut une petite roue. Il me faut une petite roue. Hop, 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 hop. Tac. J'ai ma manivelle. J'ai ma manivelle. Nous allons remplir le réservoir. Elle est dans le bon sens. Voilà, ça se remplit déjà. Elle est pas formidable la vie? Vous avez vu le générateur? Capacité de stress 256 us. Schwarzenegger, il fait la même chose, il a aussi 256 US. J'ai la même puissance que Schwarzenegger. Ninjax. Bonjour. Déjà bonjour. La politesse n'est pas un défaut. Tu apprendras ça au SNU. Est-ce qu'on le remplit à fond? Ouh. Ah, on va mourir de faim! On va mourir de faim! Ah. Alors sinon, j'ai 23 ans. Je suis né en 2000, c'est facile à calculer. Bonjour à toi, Ninjax. Bonjour, Carlos Pani. Bonjour à lire. Merci pour les suivis. Il y a 9560, ça devrait démarrer là. Si je mets ma machine, elle part. Elle est où? Elle est là. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'elle... Je vais la mettre... Attends, je vais la mettre là. Pourquoi elle est pas branchée? Elle est pas dans le bon sens? Où elle est la clé? Oh! Direction de la rotation dans le sens horaire. Faire défiler. Dans le sens anti-horaire. Oh! Il faut un rotor. Ah, ok, 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 ok. Eh ben, on a bien fait de la décaler parce que... Hein, tu as de mes mères,
Ah, par contre, elle tourne pas. Hein. Pourquoi elle tourne pas? Oh, c'est pas, y en a pas assez d'eau. Bon, bah, il va falloir se. Il va falloir la remplir, hein, ce truc là. Alors, attention à pas mourir. Alors, le mode c'est Create. Là, c'est écrit en haut. Create. C-R-E-A-T-E. Ah oui, il aurait fallu que j'aie une grande roue. Bon, après, elle se... normalement, elle était remplie tout à l'heure. Hein. Mais. Faut que je fasse une grande roue. Ah putain, je peux la faire là, la grande roue. La grande roue. On avait le même problème, hein. Vous avez... On avait déjà le même problème quand il va s'agir de le. Quand il va s'agir. Alors attends, je vais péter celle-là. Plop. Je vais accrocher une grande ici. Plop. On va mettre une manivelle ici. Alors elle tient par l'opération du. Ouf. Plop. Eh, ça y est, elle est partie. Ah, et eh ben c'est déjà arrêté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il faut que tout ça entraîne. Vache. Non mais c'était quoi ça? Sérieux, mon arbre. Les creepers, c'est vraiment pénible. Hein. Ça n'a vraiment qu'un intérêt. Il faudrait mieux de nous faire des dalles verticales. Ah, t'es remodé, tu les as, les dalles verticales. Ah, ok. Merci. Et il va falloir que je refasse un arbre, là. Il est tout pété, mon arbre. Oh, il est tout pété, mon arbre. Ah, il m'en manque. Ah, il y en a là. Il m'en manque que... Non, c'est bon. J'ai tout. 8. C'est bon, je vais pouvoir faire un... Je vais pouvoir faire un arbre. Pousse de pain. Je crois que ça marche. Hop. Et hop. Il fait nuit. Non, mais suffit de l'amorcer et après ça marche. Bon, par contre, là on va tout péter. Et puis on va le replanter. Voilà. Bon, on va le replanter un peu plus loin. Qu'il soit pas trop dans la fumée, le pauvre Tio Pépère. Grande roue. Elle est où là? Pourquoi il tombe des trucs là? Ah! Ah, il dépop! Bon bah tiens, je vais les manger. Oui, donc, il me faut une grande roue. C'était ça que j'étais en train de faire pendant que l'autre il m'a explosé lâchement la tronche. Alors ça, j'en ai vraiment pas besoin. Hop, hop. On va prendre un axe. Un axe. Tac, tac. Tac. Donc. Ah non! Là, je mets... Il va me falloir une autre petite roue. Ah, attends. Ah oui, non. On est obligé... Oui, on est obligé de la mettre là. Sinon, on peut la mettre là, hein. Et une autre petite roue. Hop. On va mettre ici. C'est... J'ai plus de cobble. Ah, j'ai plus de cobble.
Oula, surmené. Pourquoi elle est surmenée? Ah, j'ai pas assez de puissance moi pour la tourner. Il m'énerve lui. Oula. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ce truc là? Sinon, faut le remplir complètement et puis. Donc, il faut casser ce truc-là. Là, il y a 9560. Attends, je vais mettre la manivelle de l'autre côté, ça va être plus pratique. La pompe à eau est dans le mauvais sens. Ah, exact, elle est retournée. Oh, Kébrin. Bien vu, Losk. Ça, c'est le truc pénible. Quand tu changes des trucs, ils changent le truc. Alors, attends, je vais carrément le brancher là-dessus. 9736. On le monte à 30 000 et puis... Puisque c'est 32 000. On le monte à 32 000 et puis ça va démarrer. Mais j'ai pas besoin d'un moulin à eau. Je fais une machine à vapeur. Filbure, c'est pour ça que... Là, c'est juste pour le démarrer. Là, il est à 13 000. On le monte à 32 000 et après, il démarrera tout seul. Ça tombe à 24 000, c'est déjà bon, hein. Allez, on branche la... Ça y est, elle est partie. Alors, faudrait que je récupère ma manivelle. Hop. Au niveau repos, ça serait pas mal d'avoir des supports pour les axes là. Ça fait pas terrible. Ah. Voilà. C'est déjà plus un peu moins, voire même comme ça. Tu... Voilà. Donc j'ai ma machine à vapeur.
Oui, alors, pour finir le truc. Cet arbre-là, il est prêt aussi, hein. Bon. Alors. Oula. Oulala. Alors, on va installer notre système d'ouverture ici. C'est pas vrai que j'ai encore récupéré. Ça, a priori, j'en ai plus besoin. Donc, il va nous falloir un roulement mécanique, décaleur de rotation. Pourquoi j'ai des bûches d'acajou? C'était des bûches d'acajou, l'autre truc. Alors les décaleurs de route, les machins vont être là. Ils sont pas dans le bon sens. Voilà. Mode de mouvement toujours placé à l'arrêt. Il va nous en falloir un autre. Ici. On va tout péter là. On veut de la place. Voilà. Donc là-dessus, on va installer les machins radio. Le châssis radial. Je me permets de passer devant. Ah, il nous en faut 1, 2, 3. Vache. Elle est haute la truc. 1, 2, 3, 4. 2 x 4, il m'en faut 8 de châssis radial. Ça se fait par 3. Donc il faut que j'en fasse encore 3. 1, 2, 3. Est-ce que si... Ah, ça marche encore ces trucs là. Les trucs pour les accrocher sur le côté. Je pensais que c'était obsolète. Bon, on va laisser ça. Hop. On récupère. On passe de l'autre côté. Encore un. Hop. On va dormir. On va un peu vite, non? On tiendra jamais jusqu'au goûter avec les portes si on va trop vite. Donc là-dessus, il faudrait que je colle. Mais on verra pour les portes après. Enfin. Donc dessous, je mets les décaleurs de rotation. Donc ce bazar là. Ouais, y a un axe comme ça. Donc là, c'est bon. Ouais. Donc il va falloir que l'axe de transmission il passe là-dessus. Sachant que sur ces bidules là. Il va falloir les programmer. Ouais.
Donc là on passe en dessous. On pose un petit tunnel. Le petit tunnel vers la liberté. Donc, ici notre axe. On le prolonge. Tac. Tac. Ici par un système de boîtes. De boîtes à engrenage, on va le descendre jusqu'en bas. Et il faut qu'il arrive à ce niveau-là. Donc, fait quelque chose de propre. Hop. Ah bah là aussi, il faudrait peut-être faire quelque chose de propre. Hein. Donc il nous faut une boîte, une boîte, une boîte, une boîte. Il nous faut 4 boîtes. Je crois que j'en ai ramené une. Donc il m'en faut encore 3 de boîtes. Le problème que les boîtes, le boîte, c'est que c'est 4 petits trous. Ah, puis du revêtement d'andésite. Du revêtement d'andésite, j'en ai pas pris. Ouap, ouap, ouap. Et donc il me faut 12 petits trous. Vache. Je vais pas avoir assez de... Bon, et ben on va planter du sapin. On va le faire pousser de l'autre... On va le faire pousser de l'autre côté. Il y a de la place là. Allez, pouf, 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3. Ah, je vais faire des grands. Il m'en manque un. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai récupéré comme cochonnerie? Oh, spinach. On peut le manger. Spinach, c'est comme Popeye. Après, on devient très fort. Et dans ta tronche. Oh. Il a pas aimé, je crois. Pourquoi j'ai plus les ding-ding? Merci pour ton prime, Stormpooper. Bonjour à toutes et à tous. Petit coucou en attendant la semaine pro pour venir vous voir plus souvent. Bisous, bisous. Merci pour le soutien. Je vais peut-être... Ok, je vois ce qui se passe. Ça devrait marcher mieux. Merci, en attendant c'est un poulpeur. Et désolé. Il n'y a pas eu le ding dong. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Bonjour Hugo. Hugo du 9-3, bonjour à toi. Aplouche Storm. Tu ne vas pas venir voir les belles portes s'ouvrir. Où j'en étais? Ah oui, il me faut du sapin. Il me faut du sapin. Et puis... Ah, peut-être qu'avec de l'acajou, ça marche. Peut-être qu'avec de l'acajou, ça marche. Parce que c'est du bois vanilla. Alors, il en fallait combien? 12? Ouais, ça marche. Nickel chrome. Euh,
Les bleus blocs. Pop, pop. Voilà, j'en ai 4. Donc, il faut une verticale, il faut 4 verticales. Donc, une ici. Une ici. Une ici. Alors, pour le coup... Ah ouais, mais attends. Le serveur il est pas bien. Merci Badvik. Il y a des roulades derrière de partout. Je sais pas combien il va encore tenir de le coup le serveur, mais. Ah il faut que je mette les axes. Punax, Punax. Hop. Merci Azot pour le suivi. Ah ouais, j'y pense jamais, Panix. Salut à toi. Pour reprendre les objets créates, oui, il faut utiliser la clé. Ouais, j'y pense jamais. J'y pense jamais. C'est pas un réflexe. On l'a déjà dit plusieurs fois. C'est comme le clic molette, hein. Va falloir du temps. Hein. Alors. Pour que ça marche, il va falloir envoyer un signal de redstone. C'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est là que ça va devenir intéressant. Donc on va construire nos portes. Là on a tout. On a le système qui fournit de l'énergie. Choup 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 choup. Une petite machine à vapeur de niveau 1. On a notre système de porte. Ah ouais, alors par contre là du coup mon gars tu t'arrêtes prêt hein. Parce que là les portes elles vont pas pouvoir s'ouvrir. Il va falloir que tu t'arrêtes un peu plus, un chouille plus loin. On va partir avec un système basique. Je vais le bloquer le train pendant que... Je vais le bloquer pendant qu'on est en train de faire notre truc parce que je sens que... Est-ce que vous pouvez me donner votre ordre de mission? Merci. Hop. Bah on va dormir, tiens. Salut Roger. Oh, on peut pas dormir. Brin de brin. On peut pas dormir. Hop, voilà, on peut dormir. Ouais, je voulais faire du... On va faire du verre encadré. Donc faut ça. Il faut de l'acier. Enfin du fer. Faut du fer. Black. Alors je crois que c'est plus de verre que de. Alors, attends. Je vais. 440.
Ça le fait pas disparaître le truc. Ah non, c'est ici. Ok. Le verre, il est là. Hop. Ouais, on va en faire un petit peu. Et puis... Donc... Dans ce milieu... On va mettre ça. Pour l'instant, on va faire ça. Et sur le côté, ben, on va faire ça. Alors... Est-ce qu'il faut toujours utiliser ce système-là ou est-ce qu'il faut utiliser la colle? Tatiste question. Avant, il fallait régler ici, par exemple, 3 ici et 2 ici. Et ça marchait. Mais maintenant, avec la glu... Ah, non. Ah, il aurait peut-être fallu mettre de la glu de ce côté-là. Ça va faire moche. Ça va faire moche avec le verre. Bon. Attends. Ici, on va mettre... Donc, 3. 3. Ici, on met 1. Ici, 2. Ici, 2. Ici, 1. Voilà. On va le tester. On a un levier. Un bouton suffirait, remarque, mais j'ai de quoi faire un levier. Alors déjà, il tourne pas dans le bon sens. Alors, ça veut dire qu'il faut le mettre... Vitesse d'entrée inversée. Ouais, mais je voulais que tu tournes que de 90 degrés, moi. Bonjour Zed et bonjour à tous. Salut à toi, Laurencini. Merci pour les 40 mois. Gros bisous, merci pour le soutien. Bon, ça remarche. Alors. On va le faire tourner à 90 degrés dans ce sens-là. Ici. Téléprogrammer. Ah, on pourrait attendre une nouvelle impulsion de redstone. C'est-à-dire qu'il pourrait se fermer. C'est-à-dire que quand le train passe... Ouais. On le déclenche par une impulsion de redstone. Je voudrais passer, moi. Hop. Ici, quand on va arriver. Plop, plop, plop. Avant l'arrêt en gare. Donc, ici. On va placer un déclencheur. Ça va envoyer un signal de redstone pour ouvrir la porte. La porte s'ouvre, donc lui il peut passer. Là on met un autre signal de redstone. Et ça va fermer la porte. Dans l'autre sens. Parce qu'il faut que ça marche aussi dans l'autre sens. On se pointe ici. Juste avant le signal.
on envoie un signal de redstone. On passe. Donc il faut 3 déclencheurs. 3 déclencheurs. 3. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si, vous voyez ce que je veux dire. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. 3 observateurs de train. Il faut 3 observateurs de train. Un là-bas, un là-bas, un là-bas. Lui, il va falloir qu'on le déplace parce qu'il est trop près. Au niveau du truc, il va falloir lui dire. Tu tournes. Tu attends une nouvelle impulsion de redstone. Une fois que tu as l'impulsion de redstone, il faut que tu attendes un petit peu. On pourrait le faire attendre dans tous les cas. Hein. D'ailleurs, ça serait plus joli. Parce que tu crois qu'avec les lags serveurs, la redstone va, ça va fonctionner? De toute façon, le serveur va pas tarder à se planter. Alors. Mais oui, ça va marcher, c'est de la redstone simple. C'est pas comme une horloge. Trois crocodiles, oui. Ça pourrait être des crocodiles, ouais. Ou ce qu'on appelle des... Bonjour les roues. Oui, pourquoi je m'étais dit après l'attente... Ah oui, parce que là, c'est le train est en train de passer. Donc le début du train, il va passer là, il va déclencher le signal. Donc il faut attendre avant de refermer. On va attendre, mettons... Donc un délai programmé de 10 ticks, 11 ticks, c'est quand même 10 ticks, c'est une seconde. Non, pourquoi c'est pas des secondes là? Ah, une seconde. On va attendre 5 secondes que le train soit passé. Bon, on peut attendre 10 secondes, hein. C'est pas la mort. Et donc là, on tourne d'un angle de 90 degrés dans l'autre sens. Et c'est fini. On peut récupérer un signal de canton. Non, pour le bien. Pour le bien, il faudrait que le signal... le truc soit là, de la longueur du train, là. Tac. Une fois qu'on est sûr qu'il est sorti, schlack. Après, il revient là, il repasse là, parce qu'il faut pas qu'il y ait un deuxième. On peut mettre un autre explorateur ici. Ça redéclenche l'ouverture. Matinal, le Québécois. Non, mais ça veut dire qu'il faut 4 observateurs. Après, ça se fait par deux. Hein. Non, mais ça serait plus sympa, ouais. Par contre, l'allumage immédiat... Pour Infofilbur, le canton, c'est le terme technique du chemin de fer francophone pour désigner une section de voie protégée par un signal. Je suppose qu'en Belgique... Alors les Belges sont bizarres. Hein. Ils sont bizarres, les Belges. Au niveau linguistique. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes termes que les Français et les Suisses. Par contre, je peux pas mettre un délai. Parce que là, du coup, il n'y a pas besoin de délai ici. On est sûr que le train est passé. Ah oui, mais attends. Non, ça va pas aller.
ça va pas t'aller parce que quand le train va repasser dans l'autre sens, il va réenclencher le signal. Ah, il faut. Ouais, non, ça va pas aller. Ça va pas t'aller. Ça va pas t'aller, ça, madame. Non, ben on va rester sur ce qu'on a dit. On va rester sur ce qu'on a dit. Par contre, je pense qu'il faut qu'on mette de la glux. L'axe. Ah ben. Hein. Alors placer le petit dé. Ça c'est nouveau ça. Ah j'en ai plus. Ah ok. Ah, attends. Hop. Oula. Voilà les amoureux du jump là. Et vous êtes à la fête hein. Bon, on va s'en refaire parce que j'ai vu que j'en avais du fil. J'avais pas de fil. Attends, si j'ai du fil. Oh, les lags. Ça j'en ai plus besoin. Je leur pose. À la limite, ça j'en ai pas besoin. Je leur pose. Attends, je vais prendre du bambou. Est-ce que j'ai du bambou? Hop, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Hop, voilà, nickel chrome. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Moi je propose qu'on oublie cette porte. Ce serait dommage, J1. Ce serait dommage parce que là on est bien parti quand même. Moi je trouve qu'on est bien parti. De glu, par contre, oui, ça fait moche, hein. Le machin vert là. Ah, bon. Alors, ici on était bien sur du 3. Ah, oui, ça marche. Ça marche. On voit bien le truc blanc là. Ouh, il ictate. Alors, donc si on fait ça. Ouf. On renvoie un coup de redstone. Ça doit se. Ah, au bout de. Ah oui, ça attend 10 secondes. Oula, je crois qu'on a pété. On a pété un bout de ça. Comment ça se fait? Est-ce que c'est RP que ça nettoie la neige? Ah, je sais pas. Mais si, ça va fonctionner, D1. Regarde. On envoie un signal de redstone. Ça s'ouvre. Le chouchou passe. Ah oui, on peut le... on peut le mettre là quand même. Hein. Ça resservira pour la sortie. Ah non, la sortie passe là. Ah brin. Non, ça serait bien de le mettre là. Donc là, il actionne le truc. On renvoie un coup. Tchac. Il a largement le temps de passer. Ça se revient. J'ai eu peur. Sur le coup, j'ai eu peur.
Mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut Real Mohican. Donc c'est nickel chrome. On est bien d'accord. Ça va marcher. Faut juste bien régler les temps et compagnie, quoi. Hein? Sinon ça marche. Donc là on tourne à 90 degrés à gauche de l'autre, il faut tourner 90 degrés à droite. Et puis on attend un signal de redstone. On a un délai de 10 secondes. Il vaut mieux mettre le même délai, hein. Donc là, tourner 90 degrés à droite. Attendre une nouvelle impulsion de redstone. Délai programmé de 10 secondes. Tourner d'un angle de 90 degrés. Inverser. Fin. Voilà. Ah, par contre, faut lui envoyer aussi de la redstone. Bon, on va poser. On va poser notre premier observateur. Pff, on voit plus rien. Est-ce qu'il y a moyen de dormir? Non, il va nous dire on est en plein jour. Ouais. Alors, là, il faut le placer. Il faut le placer avant l'arrêt hangar. Ah, ici sélectionné. Donc on va le placer ici. Lié au rail cible avec succès. Il ictate. Alors on va mettre de la redstone. On va récupérer la redstone. On va se méfier, des fois il y a des trous là-dessous. Hop. On va faire ça proprement, hein. Parce que la terre. Quand je ressors, moi. Normalement, si je mets ça. Donc quand il y a un train qui passe, ça doit s'allumer, non? Est-ce que ça va être assez long? Bah ouais, je vais utiliser le même signal, bien sûr, en attendant plan. Hein. Alors, Bastille nous dit, j'ai une question, hein, ça ne devrait pas être hermétique. Ouais, mais bon, on est dans Minecraft. Hein. On est dans Minecraft, et je pense que si je le fais comme ça, ça va péter les rails. Et si ça pète les rails, c'est pas le but du truc. On peut toujours pas dormir. Pou dieu de temps pourri de brin. Alors, ouais, parce que là, on va avoir de la longueur. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il faut répéter le signal. Et ce qui serait bien, c'est qu'il soit répété et qu'il n'y ait pas de délai entre la droite et la gauche. Ouais, ou alors on... Bah ouais. On n'avait pas prévu le truc, ouais. Le Wi-Fi, est-ce que c'est RP? C'est... Répéteur. Ah. Le répétiteur d'impulsion. Et l'extenseur. Extenseur. Pourquoi pas extendeur? Quitte à reprendre les mots anglais comme des gens foutre. Répéteur d'impulsion. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est un répétiteur, ça. L'autre, elle est pas chargée, donc ça peut pas être la nôtre.
supposer que c'est pas chargé. Je suis pas dans l'usine. Mais je peux aller voir. D'un coup, les temps de réponse ont été bons. Si les chunks sont déchargés... Oh, attends, je sais pas... Je vais le faire. Ah oui, alors le système avec Creat. Levier analogique. Comment ça s'appelle? Bonjour le duc. Support en bois. Liaison d'affichage. Ah, c'est liaison redstone. C'est un revêtement en laiton, une torche. Bah, je vais en profiter pour aller chercher. Donc il me faut 3... 4. 4 vêtements en laiton. Ajouter le temps de réponse du ferroviaire français. Une heure, t'es bien brave, J1, parce que t'as un bac plus 12 quand voit un mémo à un bac plus 10. Quand voit un mémo à un bac plus. Bac plus 8. Que c'est un bac plus 5 qu'il reçoit, il comprend rien. Il est obligé de redemander au bac plus 10 ce qu'il a voulu dire. Bon, le seul truc, c'est qu'il peut y en avoir là. Mais a priori, c'est clair. Après, il y a une autre machine. Mais elle doit être coupée. Celle-là est coupée. Sinon, si je fais F3, il me dit le nombre d'entity. 1 sur 367. Ah, ça serait moi alors. Parce qu'il a dit combien? 300? Tiens, c'est marrant, c'est... Ah oui, quand on appuie sur F3 machin, il y a les trucs qui se transforment en couleur. Il y en a une autre ici. A priori, il n'y a rien. Entité 376, mais je les vois pas. Donc, tout ça pour te dire qu'il faut au moins une semaine. Celle-là, elle est éteinte. Donc la seule qui tourne, c'est celle-là. Faudrait qu'on se prenne une... Va falloir qu'on se prenne une bière, hein. Alors, attends. Ah. Il m'a vidé mon... Qu'est-ce qu'il a fait de mes... On peut encore récupérer de la bière, mais il a fait quoi des... Je peux plus l'ouvrir celui-là. Ah, qu'est-ce qu'il a fait de mes pichets? Bon, on a perdu les pichets. Comment ça se fait les pichets? C'est Alco. Oh, c'est pas compliqué. On va pas utiliser ça.
peut-être là, remarque. Hein. Non, ils sont pas dans le bois. Hop. Allez. J'en ai récupéré un peu. Il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a toujours autant d'entités? 366. Non, bah c'est pas chez moi. Hein. On serait fini par dépoper. C'est partout, hein. Oui, on va faire du wifi. Alors. Petit cul. Revêtement de laiton, torche de redstone. C'est avec des lingots en laiton. On va regarder quand même les revêtements en laiton, comment ça se fait. Ça, c'est un revêtement de train. Ouais, c'est ça. Il m'en faut combien? 4? De redstone. Ensuite, ça fait 8. Bon, c'est pas grave. Voilà. On est débarrassé de ce brin là. Allez. Au passage, on va récupérer. Ah non, ouais, clic droit, ça suffit. Pas besoin de les déterrer à chaque fois. Tiens, puis du maïs. Ah, par contre, le maïs, je l'ai pas récupéré. Ah. Bon, bah tant pis. On va le manger quand même. Ah, je suis plein. Ah, j'attire toutes les cochonneries aussi. Et merci, merci pour les suivis. Bonjour à ceux qui arrivent.
On glandouille sur Modécube. On fait mumuse avec le mode créate. Alors. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, parce que je suis en train de me balader avec. Tu viens ici que pour les petits culs? Par contre, on va le mettre comment le truc? Comment ça marche? On va dire c'est la fréquence carotte. Ah bon. À tous les coups ça va pas marcher ce truc là. Fréquence. Fréquence carotte. Voilà. Allez, dodo. On va refaire un F3. Entité 47. Donc j'avais bien 376 entités dans ma base, mais visiblement ils étaient pas à terre. Hein. Mais les blocs sur les tapis, ça compte pas comme des entités. Ouais, Rana Templant dit c'est au sol. Parce que là j'en vois 5 sur 37 présentes. Bon, après les entités, ça peut être des bestioles. 3 sur 36. C'est pas du tout évident à manipuler ce chiffre. Hein. Alors, il faut le caler au sol. Là, il est en mode émission ou réception? Je ne sais même plus comment on le change. Ah, peut-être avec la... Bon, on va tester ça. On va le tester. On va le mettre là. On lui dit... carotte! Et... voilà. Là, il est en petite antenne, donc il doit être en mode... receveur tru. Receveur false. Powerhead false. Donc on peut s'amuser à... on va prendre le... ah oui, mais si je prends le chouchou, je vais dégager l'autre. Je vais dégager le crabe. Ça va être ça va être pénible à récupérer ça. Émission, réception. Parce que là, faudrait les ouvrir les portes. Sinon, si je relance le train, si je veux pas perdre le crabe, parce que j'ai déjà perdu un conducteur comme ça, hein. Le pauvre. Hop, on va l'ouvrir. Ah, ça n'a pas ouvert l'autre. Ah ben oui, ils sont pas liés. Brin de brin. Faut pas que ça se... ah bah je vais les... attends, ce que je vais faire c'est que je vais les lier les trucs. Pap, je mets carotte. Fréquence carotte. Il faut que je le mette en réception. Schlack. Fréquence carotte.
réception. Bon, on peut jouer ici. Fréquence carotte. Ah, il est parti dans... Ouh, vache, il a cassé le mur. Pourquoi il est pas parti dans le bon sens, chef? Pourquoi vous êtes pas parti dans le bon sens, chef? Attends, je vais envoyer le train. J'aurai le temps de réparer ça d'ici à ce qu'il revienne. Dans l'autre sens, la redstone en face du point rouge. Ça a marché, là? Attends, par contre, il va se fermer. Pourtant, il était programmé dans le même sens. Tourner 90 à gauche. Donc l'autre, il fallait bien qu'il soit inversé. Tourner 90 à droite. Je comprends rien du tout. Pourquoi il veut pas se réactiver là? Pourquoi il est tout le temps allumé? Il est en train de se passer quoi là? Comment ça, j'avais dit que ça marcherait pas. Ouais, moi je voulais le faire à l'ancienne, là, pas avec ces cochonneries Wi-Fi, là. Pourquoi il fait ça, ce truc-là? Ah, là, ça se coupe. Pourquoi il reste actif? Le bras de brin. Pff, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Ça, c'est à cause des carottes. Voilà. Tac, il se coupe. Il devait être trop près de l'autre. Normalement, il devrait se fermer. Oh, pourquoi il m'a tiré des trucs, là? Qu'est-ce que c'est du brin, ce truc-là? Bon, du coup, on va lui mettre... Bah, tourne dans l'autre sens. Vitesse normale. On va le faire se rouvrir. Ah, c'est bon. Bon, y a juste ça qu'il faut péter. Ah oui, parce que j'ai mis 8. Il va envoyer un signal de redstone. Juste, ça va le fermer. Ah là, faut pas que je mette... Ah là 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 là. Brin de brin. Il faut le rouvrir derrière. Pourquoi il se ferme pas d'ailleurs? Pourquoi je récupère pas les blocs? Ça te fait marrer, Jewan. Je dirais bien un gros mot, hein. Attention. Attention, je serais capable de dire un gros mot. Donc il va emmener la moitié du mur ici. Ok. Je comprends pas. Pourtant, il n'y a pas de collant, hein, sur l'autre. Il n'y a pas de collant. Et ça m'énerve. J'ai envie de tout envoyer péter puis d'aller goûter.
Je pourrais aller voir Madame Z et puis elle me consolerait. Bon. C'est des blocs qui n'existent pas, ça. Tiens, si on fait F3, entité 40. Non, on en a 4 de plus. Attention. Normalement, il est censé s'arrêter. Alors, il risque d'être trop près quand ça va se refermer. Hein. Donc, il va falloir décaler la gare. Si on abandonnait les portes. Ça va finir par marcher. La mise au point est un petit peu délicate. Mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça marche chez les autres. Bon, là, on a complètement pété le mur. Hein. Ah, ici aussi, d'ailleurs. Ah, oui. Alors, attends. Faut juste le mettre à zéro. Ah, on peut pas le mettre à zéro. Voilà, je suis pas assez haut. Allez. Calme. Calme-toi, Z. Respire. Respire. Allez, on va retester le truc. On va essayer de les refermer. Donc on envoie un signal. Tac, tac. Donc là, quand le train arrive... Quand le train va arriver, il devrait ouvrir les portes. Ce qui est bien, c'est que comme il fait un parcours assez long, on a le temps, quoi. Pose des blocs normaux à la place des châssis. Le feu du renoncement. Non, non, j'ai pas renoncé. Ah, le v'là. Y a pas eu le signal. Pourquoi y a pas eu le signal? Il va foncer dans les portes. Il y a encore des trucs qui traînent par ici. Ah ouais. Pourquoi il a pas eu le signal? Bonjour Renning Tacos et merci pour ton message. Oh,
En fait, il faut mettre le truc là-haut, je pense. Mais vous avez vu qu'à chaque fois qu'il passe, ploup 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 ploup, il envoie des signaux, cette andouille. Il clignotait le truc. À chaque essieu, en fait, il. Ah, j'aime pas ça. Ah oui, j'aime pas ça. Ouais, c'est un détecteur. Moi, je dis, on aurait dû tester Create en Creative. Et non, ce n'est pas une blague de coiffeur. C'est quand même. Dis-moi, dans le conseil, t'as dû bosser pour choisir des noms de magasins, non? Moi, je sens le professionnel. Hein. Moi, je sens le professionnel. Bon, ça, c'est foireux. Ça marche pas. Je pense qu'il détecte pas le truc. Donc, on va le mettre autrement. On va y coller au. On va y coller là. Donc, c'est l'équipe carotte. Voilà. Donc pour déclencher la fermeture, il faudra mettre notre observateur ici. Et à ce moment-là, en fait, pour déclencher l'ouverture, vu qu'on est en Wi-Fi, on fait pareil. On le met ici. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, je suis un génie. Non, Jewan, tu trouves pas que des fois j'ai des idées fulgurantes? Non? Tu trouves pas? Moi, des fois, je m'étonne moi-même quand même. Parce que là, on est à un tel niveau de. Tu vois? On est à un tel niveau que. Oui, que je m'étonne moi-même. Allez, je le mets là. Tac! Tac! Je mets mon petit contrôleur Wi-Fi. Plaque! Type carotte. Ploup. Équipe carotte. Ça c'est quoi? C'est une station de train. Donc là il devrait ouvrir. J'en ai pas d'autres de. Ah, si j'en ai une là. En fait, c'est facile, faut mettre une horloge redstone qui détecte les essieux et qui réinitialise le timer jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'essieux. Ouais, en fait, c'est le pire, c'est que t'as raison, quoi. Salut Flak, c'est le pire, c'est que t'as raison, Jewan. C'est facile. Faut mettre une horloge. Voyou. Bon, ici. On va mettre un signal de détection ici. Ça jouera pour la réouverture et pour la fermeture dans l'autre sens. Avec délai. Donc je mets un signal là. Clac. Enfin, une observateur. Un observateur. On met un petit bloc pour pouvoir. Pourquoi il l'a pas pris en compte? Ah, si. Pour le mettre sur le côté. Plac. Et là, on lui claque un machin Wi-Fi. Équipe carotte. Hop, hop. Voilà. Et je pense que ça va marcher. Je sais en plus que j'ai raison, mais bon. Ouais. Ouais, on va dire ça. Non, mais là, ça marche. Il suffit de mettre la balise sur le dernier essieu. Le dernier essieu. Voilà, regardez. Regardez bien. Ah. Alors le problème, c'est s'il a clignoté, il risque de se refermer, en fait.
Non, parce que j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Ah. Oui, donc c'est pas bon. Il faudrait un nombre impair d'essieux. En attendant, il est ouvert le truc. Je pense qu'il est tout le temps allumé quand les essieux y passent vite. Alors, on va aller voir ce qu'il va nous faire ici. Attention, attention. Gling. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps allumé. Par contre, s'il s'arrête et qu'on l'a mis en début de train et qu'il repasse, il rebalance un deuxième signal. Voilà, c'est nickel. Donc là, il va faire son ploup, 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 ploup. Il va venir ici avant de s'arrêter. Ça va ouvrir. Ah oui, alors par contre, faudrait que je décale ça. Est-ce que je peux décaler Non, il faut que je pète la gare. Ah, brin de brin. Alors, comment elle s'appelle celle-là? Forêt sous serre départ. Je vais copier. Je la casse et je la réinstalle ici. Ouf. Je la réinstalle ici. C'est ouvert parce que ça ne fonctionne pas. Non, mais tu me déconcentres. Attendez, attends, attends, attends. Clac. Ouh. Pardon, madame. Là, n'empêche que ça vient de s'ouvrir. Alors, par contre, il va repasser sur le truc. Il va redéclencher la fermeture. Oui, mais on s'en moque du coup. Du coup, on s'en moque parce qu'il y a un délai sur la fermeture. On n'a pas besoin de réinstaller là en fait. Parce que c'est celui-là qui va déclencher et l'ouverture et la fermeture. J'espère que vous avez suivi le truc. Sinon, je vous fais un schéma. Bon, là, normalement, ça doit clignoter. Et il va se refermer le truc. 10 secondes et il se referme. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? On va la faire la commande croquis. Oh oui Z. Oh oui grand Z, fais-nous un croquis. Un schéma, un schéma, un schéma. Ouais, bah là, ça a pas marché. Là, on envoie un signal. Je me permets de passer. On va manger une petite. Ah, je vais manger ça. Et ça s'est fermé. Non, mais ça a pas marché le truc. Bon, je vais en profiter pour péter ça là. On va essayer de remettre ça d'aplomb. Hein. Ça va pas trop.
C'est une idée où j'ai perdu des blocs dans la bagarre. Tu penses que le train, il reste le détecteur reste allumé tant que le train est sur le détecteur? Bah, c'est la seule explication possible en fait. Donc on va voir la, on va voir au passage. Donc là il va, allez, déclenche l'ouverture. Il faudrait, comme l'autre est ouvert et que c'est un sas, il faudrait un délai entre les deux. On va vérifier ici. Donc ça veut dire qu'il faut un autre détecteur. En gros, ça fonctionne, faut juste que Z reste là et actionne le levier pour refermer la porte. En gros, c'est rien, tout au plus une nouvelle façon de glander. Ouais, mais évidemment, c'est facile quand on a lu le script. Voilà, là ça, ça va se déclencher. Ah bah ils sont là-bas les blocs. Ne me dites pas qu'ils ont répété encore à nouveau. Ah, voilà, ça se ferme. Ouais, ça reste allumé. Donc ça confirme le truc, ça reste allumé. Donc qu'il ne reçoit pas de nouvelle impulsion, quoi. Là, il n'y a pas d'impulsion. Non, c'est un émetteur, là. Mais on le voit là-bas, il est toujours allumé. Alors par contre, c'est parce qu'il est juste sur l'essieu, je pense, hein. Ah non, il considère le train. Et là, il s'éteint. Ok. Bon, donc, on va simuler un passage là-bas. Et on va aller l'installer là. On va aller installer un... oui, mais moi, je veux passer là. Alors par contre l'ouverture immédiate ça me plaît pas trop. Ah oui, j'aurais dû regarder où c'était. Est-ce qu'on peut se permettre de l'installer ici le truc? Ah, j'en ai surtout plus. Ah oui, j'en avais que... Ah oui, j'en ai fait que deux. Il me faut un autre détecteur. Comment on fait les détecteurs? Vite, qu'est-ce que j'ai mis dans le petit cul? Observateur de train. Ah, faut une plaque. Ah, puis un truc. Facile. Plaque, plaque. La plaque. Et puis... Ah oui, en plus ça se fait par deux. Alors, je l'installe ici. Ouais, ou juste ici en fait, hein. Tac, je le mets là. Et là, on met le truc Wi-Fi. On va le cacher, hein. Équipe carotte. On peut placer un émetteur temporisé avant d'envoyer le signal Wi-Fi. Ça, on peut pas le changer, ce truc-là. C'est du off-off. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est... Ah, j'allais dire c'est ouvert. Ouf, c'est fermé. Non, mais on n'est pas obligé de l'ouvrir. Comme lui, il attend le train. On n'est pas obligé de l'ouvrir tout de suite. Alors, le problème, c'est que... il faut tout décaler...
qu'on peut pas insérer ici. Hein. Donc le début, ça serait un délai. Délai programmé de 10 secondes. On fait une rotation de 4... Ouh, il a tout dégagé. De 90 degrés, donc dans l'autre sens, inversé. Ici, on attend une nouvelle impulsion de redstone. Ici, délai de 10 secondes. Ici, tourner d'un angle de 90 degrés. Ouais, normal. Et après, bah, fin. Ah, on peut pas en mettre plus que 5. En espérant que ça marche. Et il faut faire la même chose de l'autre côté. Oula. Ah vache, il est pas dans le bon sens. Ah oui, parce que quand je l'ai positionné... Oh, prin, comment je vais faire? Attends, je vais attendre qu'il soit passé l'autre pour... Comment je peux récupérer le coup maintenant? Faut que je fasse... Parce que quand il va s'ouvrir... Fatigue, 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 fatigue. Tu me fatigues le truc. Tu me fatigues. J'ai qu'une envie, c'est d'envoyer tout péter. Ouais, là, il considère qu'il est... ouvert, bah il tourne pas dans le bon sens alors. De toute façon, là, il avait rien faire, je suis envoyé le signal, j'ai enlevé le signal. Alors attends, faut que je le referme. Je pète tout. Ce n'est pas gagné, gagné. On non, va c'est... sur Olicube. Non, c'est pas gagné. La rotation normale est dans quel sens? Comment je peux l'enlever ce truc-là? Enfin, voilà. Tu vas voir que tu vas m'obéir, toi. Non, pas ça. Oh. Il est où le levier? Je vais pleurer. Je vais pleurer. Mais j'avais pas un levier. Il est passé où? Oh, j'ai envie de tout envoyer. Ah, je vais chialer. Je crois que je vais chialer. Puis en plus, il va faire nuit. Il y a un creeper qui va venir nous péter à la tronche. On peut dormir que pendant la nuit. Ah, quand tout va mal, tout va mal. Ah, quand tout va mal, tout va mal. De toute façon, il va être l'heure, hein. 16h30, 16h40, on va sur Olicube. De mes carottes. Ah ouais, il est là. Bah c'est pour ça que je le trouvais pas. Bon, on l'a mis dans quel sens là? On l'a mis dans le sens inversé. Donc sens inversé, ça ouvre bien. Donc là, il faut le mettre voilà. On va le refermer. Voilà, il est refermé.
Donc sens inversé, ça ouvre. Mais déjà, faut mettre un délai. Mets-moi un délai de 10 secondes. Tourner d'un angle. C'était inversé ou normal? Je ne sais plus. Salut Artalion. Tout se passe bien. Ne vous inquiétez pas. Délai. 10 secondes. Tourner de 90 degrés dans l'autre sens. C'est bon là comme ça? Ah, voilà le train. je crois que c'est pas bon. Je crois que ça va pas marcher. Le train, on va... Vous savez quoi, le train? Surtout que... Eh, rigolez pas, mais... Enfin, vous allez rire. Mais il y a deux portes. Il y a une deuxième porte à faire ici. Bon, là, ça s'est refermé. Pouf, le cerveau de ZEDH a explosé. Attends, on va lui rebalancer un signal, là. Tac. Normalement, ça devrait refermer le truc. Au bout de 10 secondes. Oui, je sais qu'il est plus relié au réseau. Hein. Voilà, c'est bon. Donc, on va le remettre au réseau. Enfin, sans trop traîner, parce que sinon... équipe carotte. Voilà. Alors, je vais noter quand même que le sens inversé... C'est le sens des aiguilles d'une montre vue du dessus. Le sens droit, c'est de l'autre côté. Donc là, il s'est pas ouvert. Ok. Normal. Il est où le levier? Il est où le levier? Ah, ça passe quand même. Ah, le chauffeur a disparu. Chauffeur! Chauffeur, il a disparu! Vous avez tué Kenny! Mais pourquoi il s'ouvre pas? Ils ont tué Kenny! Il n'y a plus de chauffeur! Ils ont... Oh, le petit chauffeur! Attends. Normalement, j'ai un lasso sur moi. Le chauffeur, tu remontes immédiatement dans le train. Non, mais... Petit salopio. Un nouveau chauffeur a été trouvé. on m'a dit que tu ressemblais à Fuse en vachement plus beau. Bah oui, y a pas photo. Hein. J'ai entendu parler de cette blague de mauvais goût. Enfin, de mauvais goût. J'espère que quand Fuse aura 80 ans, il sera aussi aussi tonique physiquement et intellectuellement. Je précise pour le physique. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, à chaque fois j'ai un délai. Donc là, normalement, elle devrait se refermer. Voilà, elle s'est refermée. Donc je vais vite fait faire l'autre. Donc, par contre, celle-là, elle tourne dans le même sens que l'autre. Et ça, je comprends pas du tout pourquoi. Donc, délai. On se rappelle qu'en début de live, j'avais dit que ça ne fonctionnerait pas. Ah ouais, mais attends, c'est pas fini. Attends, il est pas fini, le live. Inversé. Attendre. Délai. 10 secondes. Tourner d'un angle de 90 degrés.
normal. On peut le tester, hein. Où est mon levier? Voilà, ça marche. Par contre, ouais, alors je comprends pas le fait que... Pour moi, il fallait désinverser les trucs. Ou alors il comprend... Ah, attends. C'est par rapport à ça. Et comme ils sont inversés, il faut qu'ils soient dans le même sens. Je commence à comprendre la mécanique du truc. Le premier qui dit il a fallu le temps, c'est ban, hein. Malheureux, qu'est-ce que t'as fait là? Ah, deux. Ouf. Oh, pourquoi ça s'ouvre? Et pourquoi elle s'est pas ouverte celle-là? Oh non! Pourquoi tu t'es pas ouverte toi? Le pauvre petit crabe, il va encore il mourir. Il a fallu le temps. Eh ben on a eu de la chance. Merci que la nuit. Non, c'est pas que la nuit, c'est J1. Mais enfin, bonjour et merci quand même que la nuit, hein. Pour avoir répété la phrase maudite. Ils sont où les... ils sont où les modérateurs? Bon, ça marche toujours pas. C'est pas synchro, ouais. C'est pas synchro, surtout ça marche pas. Comment ça se fait? Il reçoit pas le signal peut-être. Regardez, carotte, carotte. Ah attends, on est en émetteur, il faudrait être en récepteur. Ah là, ça va marcher. Pourquoi c'est ouvert? ça devrait être fermé là. Oui mais non, maintenant il faudrait qu'il l'ouvre. On s'en sortira pas. Est-ce qu'il a pas... Ne pars pas petit... Ne pars pas petit crabe. Donne-moi ta... votre ordre de mission s'il vous plaît chef. Oup. Pourquoi elle s'ouvre pas là? Ah, il y a un signal qui bloque le truc. Non, mais ça... Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Réception. Équipe carotte. Voilà. Signal. Il va s'ouvrir. Je vais pouvoir renvoyer le petit crabe. 10 secondes. Voilà. Tu peux y aller, crabe. Enfin, lui, il a un délai aussi, hein, le crabe. C'est parti. Cling. On renvoie le signal. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, j'ai compté un peu vite. Gling, ça se referme. J'en connais certains qui vont manger leur chapeau. Sinon, je reviens à ma proposition. Tu ouvres et tu fermes les portes sur place. Bah oui, il faudra un contrôleur, quoi. Un aiguilleur. Il faudra un contrôleur, il voit le train. Il vérifie d'abord que c'est un train qui a le droit de rentrer. Il lui ouvre les portes, l'autre, il peut rentrer. Il bouge les aiguilles, clac, clac. Il dit, oh, tu peux rentrer, Bob. Voilà, quoi. Classique, normal. Il me refaudrait deux briques, s'il vous plaît. Alors, il me reste des trucs à faire là, histoire de bien finir proprement le live. J'aurais dû le faire de l'autre côté. Ouais, ça aurait été plus facile. On peut passer là, c'est rigolo. Pourquoi il y a un truc de pété là? Hop. Allez. Hop. C'était pas toi qui étais visé, l'ennemi. Il y a un gars, ça fait une heure, ça fait deux heures qu'il nous dit marchera pas. Alors, 3. 3. 3. 3. Ouais, il a un chapeau de cheveux. Ben oui, là. Oula, attends, c'est 2. 2. 2. C'est bon. Normalement, ça marche. Par contre, on est d'accord que ça fait moche, hein. Mais bon. Tu pourrais faire 3 puis 2 et inverser sur l'autre porte. Ouais, on pourrait. On pourrait. Oui, on pourrait. Voilà le chouchou. Ce qui laisse le temps à l'autre, de l'autre côté, à ouvrir la porte. Donc là, la porte est ouverte. Bon, faudrait diminuer le temps d'attente ici. C'est un peu long. C'est surtout que maintenant que ça marche, j'y touche plus le truc. J'y touche plus au truc. J'y touche plus. Ça sera quand le prochain live, Modé Cube? Lundi? Ben lundi, on fera les deuxièmes portes. Donc c'est bon, ça s'est refermé. Là, lui, il va se repointer, ça va se rouvrir. On est d'accord qu'il y a des fuites énergétiques en bas de la porte. Non, mais c'est du Minecraft, hein. On n'a qu'à dire que ça va jusqu'en bas. Voilà. On n'a qu'à dire que c'est des dalles. Et voilà. Je pense pas qu'on puisse bouger, toucher à l'intégrité physique des rails. Hein. On est d'accord. On ne peut pas toucher à l'intégrité physique des rails. Il y aura peut-être des petits aménagements au niveau délai. Par exemple, le délai d'attente ici est un peu long. Donc, il suffit de récupérer la gare et tout. Et voilà, c'est juste des petits réglages.
Et par contre, il faudra refaire le même système, donc. Mais ça veut dire qu'il faut une gare ici pour marquer un arrêt avant l'entrée. Pour dire, ah, je suis ici, je veux rentrer. Ouvrez-moi la porte. Et puis après, bah, des émetteurs pour la fermeture et pour l'ouverture et la fermeture de cette porte. Ça doit pas être méga compliqué, hein. Maintenant qu'on sait comment ça marche, fin G dans le nose. Fin G dans le nose. Comme disent nos amis glo-saxons. Gros saxon. Non, pas gros saxon. Oh. Attends, je mets ça ici. Je vais les remettre avant de terminer le live. Je vais aller ranger ces trucs là. Ouais, il y a des fuites. Hein. Ouais. Mais bon, je suis content, ça marche. À un moment donné, c'était quand même pas gagné. Hein. Bon, ouais, les portes sont... Les côtés de portes sont pas terribles. Mais bon. C'est le fonctionnel qui compte, hein. C'est comme notre train, il est pas terrible. Mais c'est le fonctionnel qui compte. Et puis, alors, le truc, c'est qu'il va falloir amener... Et je pense qu'on va passer... Bon. Ah oui, non, on peut pas passer le long, là. C'est-à-dire, il va falloir un super axe qui va d'ici jusque là-bas. Pour mécaniquement faire tourner cette, cette porte-là. Et puis, on va les faire en intérieur. Hein, parce qu'en extérieur, ça va être bizarre. Ah, on peut faire une surépaisseur ici, hein. Mais il faudra faire une surépaisseur de 2 blocs pour cacher le système. Ouais, qu'est-ce qui vaut mieux, bloc porte intérieure ou porte extérieure? Bon, on verra lundi. On va attendre, on va pas attendre qu'il rapace. J'ai tout sur moi au niveau, j'ai rien laissé là. Allez, hop, allez, comment on sort? Ah bah attends, les portes vont s'ouvrir. Il faudra calculer quand même notre coup pour que ici ça s'ouvre quand là-bas c'est fermé. Il y aura peut-être des petites subtilités à ce niveau-là, quoi. En utilisant un bug de superposition de blocs, on pourra pas rendre la porte étanche. Ouais. Alors, les axes, les trucs, je vais aller remettre le fer. Ici j'avais ça, ça je l'ai toujours sur moi. Je vais en garder quelques-uns. Bon, ces trucs-là je les garde pour lundi. Radial, ça c'est pas du créate.
La glu, c'est la mienne. Il y en a une là. Il y a des trucs que je... la clé, la glu, c'est des trucs que je garde, ça. Tout le temps. Bah, l'observateur, je l'utiliserai. Donc, il m'en faudra d'autres, d'ailleurs. Mais on a vu que c'était pas compliqué à faire. Puisqu'il suffit de... Hop, hop, et ça nous en fait deux, d'ailleurs. Et hop. J'ai mes trois observateurs. Je sais même pas si j'en aurais besoin de trois. Peut-être que deux suffiront. Il en faudra un à l'extérieur. On pourra peut-être réutiliser le... celui de l'autre train. Ouais. Ouais. Donc c'est une affaire qui court. Le fer, je vais aller en ranger. Vous avez vu des bavettes dans Créate? Bah, je sais pas, j'ai regardé vite fait les portes de train. Fait une petite recherche sur portes de train et j'ai pas trouvé grand chose. Hein. Je vais en garder un petit peu sur moi. Ça, je le remets. Ok. Il y en a pas mal de fer. Hein. Mais il est là. Je crois qu'il doit être dans sa planque. Fait une farce. Je l'ai pas vu. Ouais, il est là. Il est en AFK. Ok, Dak. Bon, et ben nous, on va filer. Et ici s'arrête la première partie du live du samedi sur Modé Cube. On va aller sur Holy Cube. Donc pour la rediff YouTube, au revoir, à la prochaine.